Les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Oh merde. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a Ah, c'est la torche humaine, comment il s'appelle Et alors que le Shield et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, comment il s'appelle c'est la torche humaine le témoignage du docteur Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Oh, Michael Scofield. Des gens infectés, dotés de pouvoir, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, docteur Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. Ok, on va faire ça, Logan. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre même pour Bumblebee. Garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver le remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM, et on peut voir les rangs de l'armée de la résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du Heyday. Incapable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Donc là, on a 50 plus, donc on devrait avoir autour de 16 ans, je dirais, là. Un truc comme ça. Un indice quelque part. 18 ans, peut-être. Ah, on la reconnaît bien, quand même. Ah ouais, mais il est génial, le sniper. Enfin, de ce qu'on a commencé, là, c'est génial. Wow, Stark rétro. Je suis pas déçu pour l'instant. Tu as du temps pour parler, Beta? Ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir. Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, pas qu'il soit mort, Sniper, sinon... Et encore mieux, il n'y aura absolument trop aucun facile. Garçon. Il nous le ferait pas jouer s'il serait mort. Je t'aime, Beta. Je pense, hein. Plus. Il nous apprendrait pas les mécaniques du personnage si on le jouait pas plus tard. Alors, j'en étais où? Indice de mot de passe. What is the name of your first love? Qu'est-ce qu'on va mettre? Pepperot. Quoi? Perdu. Je sais pas qui c'est, Pepperot, mais... Kamala, tu peux le faire. Ah ouais. Oh, le mot de passe de ouf. Zut. Perdu. Allez, quoi? Elle est belle en blonde, Captain Marvel. Oh non. Salut Frankie. C'est pas possible. What's up? Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, j'ai trouvé le MDP. Oh, ça y est, je suis dans le système.
Ok, don't panic. Je dois tout copier. Don't panic, don't panic. Grâce à votre énorme ego, Monsieur Stark. Ça va super, Frankie, super, super. Ah bah merde. C'est quoi ça? C'est bon, la clé USB, la clé USB. Bien joué. C'est bloqué. Bon, j'en ai copié un peu sur la clé. Hein. Je sais que je tiens quelque chose. Je ferais mieux d'apporter ça au QG. Ouais, il était un peu chaud le mot de passe quand même. J'ai dû taper en plein dans le mille. Elle fait un peu mexicaine, portoricaine, je sais pas quoi. Regardez ce qu'il y a sur cette clé. Voyons ce qu'on a. Le chimère. Ça vient sûrement des caméras de la salle du réacteur. Le docteur Tarleton. Mais vous étiez censé être sur le pont de commandement. Oh, Cap! En tout cas, la VF, elle est vraiment pas mal. Hein. Très bonne VF. Oh le bâtard! Oh non! C'est un complot. Tarleton l'a enfermé? Il n'y a jamais eu de panne. Il a tué Cap. Oh mon dieu, il a tué Cap! Eh bah, go tuer le docteur. Quoi? La ballerine? Oh non. C'est qui, Tiny Dancer? Le parc des héros. Tiny Dancer? Je sais pas. Ça pourrait être un piège. Mais si c'était pas le cas... On est curieux, je pense qu'on va aller voir. Ouais, c'est bizarre, la ballerine. Donc ça doit être une meuf, je pense, déjà. Je dois montrer ça à quelqu'un. Alors si c'est un gars qui a pris un pseudo de garçon... de fille, pardon. Non, si c'est un gars qui a pris un pseudo de fille... Bon, réfléchis bien, Kamala. Ça serait malin. Et ce sera fini. Mais la ballerine, c'est clairement... un pseudo féminin, ça. Alors, ok, on doit suivre les petits trucs, les petits décors au sol, non? Bonjour, je suis le docteur George Tarleton, PDG et fondateur de l'Advanced ID Mechanics. Ah, tu peux enlever le G de PDG si tu veux. Ah, ok. Ah merde, moi je voulais monter, je voulais pas descendre. Moi je voulais rester sur les toits, moi. Pour être furtif. Rien, c'est Just Eat qui amène la pizza. Somebody say Just Eat. Ah non. Ok, c'est plus Robocop que Just Eat. Hein. Le protocole inhumain section 3, paragraphe 8.2, veuillez rester immobile pendant toute la durée du scan. Ah ouais, ils ont l'air d'être violents, les petits robots, là. À mon avis, ils sont pas très gentils avec moi. Aucun ADN inhumain détecté. Merci d'avoir... Ah d'accord, ils scannent notre ADN pour savoir si on est des... si on était contaminé par le pouvoir ou pas. Ok, je comprends. Elle, je la vois plus comme une genre de Catwoman, elle. La ballerine. Eh, mais c'est pas mon pote avec qui j'ai échangé mon comics, lui? La ballerine, là? Hé, hey, hey. Tu vas où?
Chez moi. Déjà ? On vient d'arriver ? Hé, hey, t'as soif ? Non, non, merci. Quoi ? T'es en train de prier ou quoi ? Regardez les loubards là. Juste un raccourci. On va leur mettre une branlée. Un raccourci. Allez, va-t'en d'ici. Ouais. Joli briquet. T'as qu'à aller au magasin, t'en acheter un. Hein. Pour qu'ils puissent tous nous tuer. Quoi ? Non. 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 Alors quoi ? Hmm ? T'es un fan des inhumains ? Du calme, les gars. Tu soutiens des sales traîtres. Arrêtez ! Est-ce que ça va ? Et là, je vais leur montrer que j'ai un pouvoir. Zach, mate-moi son sac. Quoi ? Je vais te le montrer, mon sac. Des assassins. Je veux juste rentrer chez moi, ok ? Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, le nez, là ! Mon petit frère était présent au Heyday, avec son histoire débile sur Captain America. C'était pas la faute de... Tout est de leur faute ! Il est devenu violet et bizarre, et puis ils l'ont enlevé ! Hé, hey, vas-y, Molo. Zach, calme-toi, mec. Mais maintenant, il est mort ! Arrête ! Il est mort ! Zach, il est mort ! Eh oui. Reculez ! C'est l'une d'entre eux ! Faut pas qu'elle nous touche ! Allez, on se barre. Ah, mes doigts, ils sont énormes. Est-ce que ça va ? Ça brûle, ça brûle. Allez, on y va. Ne me touche pas. Quoi ? T'es la ballerine ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire de ça ? Mais de quoi tu parles ? Laisse-moi partir. Alors la meuf, elle a quand même pas vu quand elle prenait la tyrolienne que ses mains, elles étaient plus grosses. Faut que j'y aille. S'il m'attrape, ma photo va pas tarder à rejoindre les autres sur ce mur. Je me casse. La IM a aussi lancé des humains à ma poursuite qui peuvent se téléporter. Tu t'es fait avoir aussi. Ok. Wouah, c'est quoi leur super pouvoir, eux, là ? Ah, d'accord, ok. Ah ouais, elle sait pas comment... Elle découvre son pouvoir, mais d'accord, ok. C'est original. Est-ce qu'il y a un truc ici ? Un petit collectible, yes. On prend les petits collectibles. Je crois que c'est bon. Oh merde, je me suis fait niquer. Oh, je me suis fait avoir comme un bleu là. Ah bien, tu es réveillé. Je suis désolé. Ces synthoïdes n'ont fait qu'appliquer leur protocole de sécurité. Il a un cerveau le énorme. Vol d'informations privées est un grave délit. Monica, laisse-la respirer. Oh, c'est ma sexy girl que je kiffe, là. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, t'es mal à la taille du cerveau ? Où est-ce que vous m'emmenez ? Oh. En lieu sûr. Il est énorme. Excuse-moi. On dirait le cerveau dans les Tortues Ninja, le rose, là. Je sais que je ne suis pas aussi bien que mon homologue holographique. Mais il faut bien plaire aux actionnaires. Ah, mais c'est le doc. Bah oui, et l'autre, c'est sa secrétaire ou je sais pas quoi, là. La sexy girl. Docteur Dalton. En personne. Pourquoi pirater nos serveurs ? Je ne vous ai rien volé. Alors, qu'est-ce que tu cherchais ? Le remède, peut-être ? Je voulais juste aller sur Amazon. Kamala. La IEM veut seulement essayer de nous libérer de l'emprise des plus puissants. Mais t'as vu la taille de la tête ? Subjectivité. Un pouvoir illimité, c'est dangereux, voire mortel. Eh, il a un QI 350, lui. C'est un bon exemple. Toi, tu as la chance d'être en vie. Mais grâce à la technologie,
Nous pouvons les combattre. Nous pouvons te rendre ta vie normale, Kamala. C'est un frère caché des Bogdanov, lui, non? J'ai deviné le mot de passe, ok? Je pensais pas du tout réussir. Elle est clairement violente. Son infection a dû se propager. Hein? Je voulais faire de mal à personne. Je sais bien. Mais qu'arrivera-t-il si tu perds encore le contrôle? Mais je perds pas le contrôle. Qu'arrivera-t-il si tu fais du mal à quelqu'un que tu aimes? Pas du tout, Logan. Les Avengers ont souffert de leur orgueil. Totale découverte. Et vous y étiez? Je veux dire, quand Cap est mort. Vous y étiez? Oui. Elle était en train de faire un Fall Guys sur son PC, non? Monica m'a trouvé sur le pont. Sa formule de régénération m'a sauvé la vie. Allez, Kamala, saute le pas. Hein? L'AIM peut t'aider. Ah, vu comme elle t'a transformé, Non merci. J'ai tenté ma chance. Ah! Sans George, rattrapez-la, vite! Il aurait une tête normale, peut-être que je l'aurais suivi, ouais. Tu viens de révéler que t'étais une inhumaine. Idiote! T'imaginais quoi, hein? Devenir une résistante? Une nouvelle héroïne? Je peux plus rentrer. Ami, Abou, ils seront punis pour m'avoir caché. J'ai vraiment fait n'importe quoi. L'Utah. L'ancienne base du Shield. La résistance doit savoir quoi faire. Ok, on va aller en Utah. Et merde. Non, merci. C'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Je me casse. Je dois aller en Utah, désolé. Hop. Putain. Il faut que je quitte la ville. Laissez-moi tranquille. Putain de robot à la con. Oh putain, mais ils sont rapides aussi, eux. Ah ouais, ils sont rapides, hein, quand même. Ils doivent être super agiles et rapides. Hein. Allez, moins 2 dans le game pour les robots. Quoi? Arrêtez-vous! Oh, t'es qui ça? Ok, il peut se TP, mais il est pas très très agile. Il peut juste se TP pour nous faire peur. Wow. Non, trop court. Ah oui, mais il est avec moi, cool. Oh, les mains. Ah, ils ont dû galérer à faire ça, les devs, hein, quand même. Changer en permanence la taille des mains et tout. Oh oh. Wouah, les Ninja Go, là. Ok, on va apprendre à se battre avec elle, d'accord. Oh la grenade! Qu'est-ce qui m'a trahi? On va à distance, recommandé. C'est des grenades? Oh! Je voulais mettre un kick! Ok, on peut viser. Allez! Allez! Cool! Ah ouais, on peut vraiment attaquer. Oh putain, génial ça. Non, je voulais pas faire ça. Ok, j'essaye de faire un petit peu de...
Ok, quand on fait un bon contre, il y a une espèce de... de fenêtre qui... qui s'affiche, c'est ça? Pourquoi on donnerait pas à nos nouveaux amis un petit coup de main? Oh là là, génial! Génial, mes préférés! Je crois hors de portée? Si on se met là-dessous, normalement on est tranquille, non? Alors arrêtez d'essayer de me tuer! Bien essayé! Mais je me suis beaucoup entraîné! Ah ouais, on peut faire un espèce de... Ah, je sais pas comment on fait pour enchaîner les combos quand on fait une esquive... une bonne esquive. Oh, il me tire dessus. Oh merde, la gre... ok. Toi, tu dégages... Ouais, faut avoir le coup de main, mais je pense qu'elle doit être assez puissante. Hein. Vu qu'on peut attaquer à distance, enfin d'assez loin, on n'est pas obligé de faire un cac. Donc, enfin après, ils ont tous une attaque à distance, hein, quand même. Je pense que c'est pour pas favoriser un personnage par rapport à un autre. Bon, si tu l'aurais mis dans l'eau, je pense que la puce, t'es pas obligé de l'écraser. Sujet 1102. Il peut se cloner presque parfaitement, à l'exception d'une variation dans la couleur des yeux. Les cellules se divisent au centre afin de créer deux individus. Oh putain, distincts. Comment il s'appelle? Oh, il a les yeux verrons. Exactement véron. Comme le ver planaire, sauf qu'il est humain. Tout à fait. Et il peut trophée retenir obtenu, tous l'aventure commence. Du sujet cool. Original. 0925 génère de puissantes salves d'énergie et. Et il y a au moins 6 sujets avec des pouvoirs basés sur le feu. Nous constituons un arsenal. Ah, ça ressemble vraiment à Chloé. Hein. Toute la puissance. Plus de héros, plus d'erreurs possibles. C'est l'heure de ta nouvelle dose. Je me sens bien. Assieds-toi sur moi si tu veux. Et on va faire le cheval. Tout à l'heure, tu pouvais à peine contenir ta toux. Encore quelques doses de ma formule de régénération. Tu vas pas me dire, toi qui es super bonne, tu kiffes un gars qui est dégueulasse comme ça, quand même. Ils allument encore des bougies au pied. La meuf, c'est un pétard, elle va se taper un. S'il n'y avait pas ce marteau, je l'aurais un gollum, là. Oublie ça. On ne doit pas savoir que tu t'inquiètes encore au sujet des Avengers. Mes hommes s'en occuperont. Il ah, cool. Il y a un adaptoïde à lancer. On va pouvoir pimp. Oui, tu as raison. Ah, j'ai pas eu le temps de lire, cette version risque d'être plus... puissante. Elle est stabilisée. Presque. Oh, la vache! Alors lui, c'est Super Saiyajin 75. Oh, c'est vraiment incroyable! Ouais, je sens mon pénis. On est arrivé en Utah. Allez, on appelle le Père Noël. 08 36 65 65 65. Ça sonne. Bonjour, c'est Youssouf Khan. Merci de laisser un message et je vous rappellerai. Hé, hey, Abou. J'ai suivi ton conseil, je suis avec Nakia et les autres à la retraite. Ah oui, elle dit Abou, c'est vrai. C'est à peine croyable, mais il n'y a aucun réseau ici. Je... puissance 10. J'ai dû monter super haut pour trouver cette cabine. Jusqu'à 150, ok. Enfin bref. T'avais bien raison, on s'éclate. Je reviens dimanche soir. Promis, je serai sage.
Je t'aime encore plus. En fait, elle, avec ses mains, ce qui est cool, c'est qu'elle peut, elle peut se gratter partout. Elle peut se gratter le dos. Elle peut tout faire. Elle peut aller chercher un truc sous un meuble.